Ces jeunes de Sherbrooke font partie de la cohorte 2012 de la coopérative jeunesse de service de Fleurimont. Les CJS, il y en a 6 en Estrie, permettent de développer leur fibre entrepreneuriale en leur confiant les rênes de leur propre coopérative. C'est vraiment un gros projet où est-ce qu'on doit se mettre dans le bain un peu de l'entrepreneuriat. Puis c'est sûr que tu gagnerais plus à faire des 30 heures semaine d'un restaurant en faisant le plongeur, mais le plongeur, c'est une fois que tu sais laver de la vaisselle, tu n'as plus rien à apprendre, tandis qu'ici... C'est une occasion pour des jeunes de 13 à 17 ans d'un peu avoir une première expérience de travail, d'apprendre le fonctionnement d'une entreprise, donc c'est eux qui gèrent leur entreprise, apprendre à travailler en équipe, apprendre à débrouillardise. Tu fais jamais la même chose, puis c'est une bonne expérience, là. Me trouver de l'expérience pour une job plus tard. Aujourd'hui, les jeunes reçoivent une formation en peinture et en tonte de gazon sécuritaire, mais ils peuvent offrir une variété d'autres services. C'est eux qui décident les services qu'ils vont offrir, fait que ça dépend de leur capacité, de leur intérêt. Ça peut être des services comme si des gens partent en vacances durant une semaine, d'aller s'occuper, arroser les plantes, rentrer le courrier. Ça peut être d'aller promener les chiens, du gardiennage aussi. On fait de la promotion avec le comité marketing. Qui s'occupe un peu de ça, dont je fais partie. Puis c'est ça, en fait, appelez-nous.